Se sabías un país anin un di frontiero di l'Uber se spandis un opole pupeio. Il fallait faire une carte, alors on fait une carte. Il fallait qu'on clique sur les critères français, on est d'habitude. On est désolé, on ne peut pas faire notre projet. On ne peut pas la faire. Moi, je fais juste une carte. Je suis tout seul. Je suis peut-être quitté. C'est pas la victoire pour la voix. On ne peut pas l'écrire. Avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice. Avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice. Avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice, avec le vent comme complice. Référence aujourd'hui ira vers ces villages du Limouxin, du pays de Mirepoix et du Lauragais, c'est-à-dire entre Aude et Ariège, qui organisent du 1er juin au 30 septembre des chemins de photos, soit depuis 5 ans près de 70 expositions dans les villages agrémentées de balades à la découverte des patrimoines locaux. Les photographes exposés viennent du monde entier, ils participent en point d'orgue de ce festival de la photo en milieu rural aux soirées images d'été qui se tiennent entre le 14 juillet et le 15 août au salon photo du Razès. Des journées professionnelles sont également prévues au mois de septembre dans le cadre de ces chemins photos, chemins au pluriel de photo.com. Et pour clore donc cette semaine audoise, nous invitons... Ce festival est un élément fédérateur pour le territoire et c'est ce qui nous a tout d'abord motivés pour participer et rejoindre les villages qui font déjà partie de cette aventure depuis plusieurs années. Ce festival représente une idée originale qui permet de découvrir les villages sous un autre aspect, de mettre en scène les expositions en adéquation avec le cadre, et c'est complémentaire avec les axes habituellement développés ici, qui sont plutôt le patrimoine et la pleine nature. D'autre part, l'art photographique est pratiqué par de nombreux amateurs et professionnels locaux, mais finalement assez peu diffusé dans nos territoires ruraux. C'est donc pour nous l'occasion de proposer un moyen d'expression artistique hors du commun. Et enfin, l'idée de proposer des expositions en grand format et en plein air, je trouve que ça met en valeur le travail des artistes, et donc c'était un élément supplémentaire de motivation pour nous. Alors c'est un événement qui se déroule sur la période estivale, qui correspond à la saison touristique, et l'idée de proposer une promenade de village en village constitue une véritable activité touristique qui allie à la fois la découverte du territoire et l'attrait d'un événement artistique
Donc ça va nous aider à structurer à la fois notre saison touristique, mais aussi au-delà, toute l'année, pour les habitants, structurer aussi une saison culturelle. De Limoux à Castelnaudary, de Bram à Mirepoix, de Cambieur à Casal-Renoux, empruntons tous les chemins pour une gamme de surprises. La vie au coin des rues, sur les places, dans les jardins, ici, ailleurs. Mise en scène de vie en Équateur, au Tibet, à Paris, à Cuba ou chez les Witchy d'Argentine. Mise en scène arrangée par le photographe pour que vienne nous heurter de plein fouet l'indifférence du passant face aux tragédies des migrations. La vie passe et nous passons, et cependant personne ici pour trahir l'émotion. Quotidien recentré, scène, spectacle, qui regarde qui joue quoi? La photographie qui enregistre l'actualité ne pourrait pas servir aussi facilement d'auxiliaire à l'imagination si elle n'était d'abord, comme la voulait Baudelaire, un auxiliaire de la mémoire. Les scènes de vie proposées pointent du doigt un certain vis-à-vis. C'est à cela que nous sommes conviés sans pouvoir nous dérober et pour notre plus grand plaisir.